Bonjour, madame Péroni. Bonjour, Rachid. Papa, maman. Bonjour, madame. Bonjour, entrez. Oh, mais fallait pas. Farid, Fatima, Aïcha, Mohamed et Tahar. Bonjour, Tahar. Vous avez bien fait de venir avec la famille au grand complet. Et puis, ils vont se régaler avec vos gâteaux. Et encore, ils sont pas tous là. Il y a la petite qui est malade à la maison. Oh, j'espère qu'elle va pas s'ennuyer toute seule. Oh, il y a la grande qui la garde. Ah non, pas du tout, hein. Ce sont ses meilleurs amis. Ah, vous n'êtes pas de la famille et vous vous portez quand même à mal. C'est bien. Enfin, je veux dire, c'est normal, c'est la... Vous tenez les... Ah, enfin, c'est bien. Bon, ben, je vous laisse vous présenter. Ce sera plus simple. Bonjour, tout le monde. Bonjour. Rachid. Tiens-toi bien. Ça te bloque pas sexuellement, une éducation comme ça? Mais dis-moi, t'es obligé d'amener toute la smala, là? Et pourquoi? T'as honte de ma famille? Chérie, les parents de Rachid ont fait des folies. Et nous ont apporté des petites sucreries exotiques. Oh. Alors, franchement, merci encore, c'est beaucoup trop. Alors, c'est lequel des deux, les boueurs? Ah, ça c'est quand j'ai travaillé pompiste deux jours à Créteil. Ouais. Et ça c'est un jour quand j'ai distribué des prospectus. Après j'ai enchaîné la Sopridec. Et voilà le thé. C'est quoi la Sopridec? Oh, c'est une boîte qui loue des pistolets pour percer les oreilles. C'est de la bijouterie fantasy. Bah, j'avais un stand aux puces. Alors je venais avec mon client, puis une grande oreille en carton pour attirer la clientèle. Et puis le samedi, dimanche et lundi, ben, je perçais les oreilles à Saint-Ouen. Non, non, laissez, je fais le service, madame. Non, laissez. Bon. Et pourquoi vous n'êtes pas resté là? Parce que là-bas, dépassé, ils se sont mis à faire des trucs pour percer le nez. Ah, ça, c'est quand j'ai vendu des tuyaux. Ben, attention, papa, t'en mets partout. Mais ça tâche pas le thé. Tenez, c'est pour vous, madame. Merci. Je vous sers, madame Péroni? Oui, volontiers. Top. Mais ça tâche pas le thé. Non, mais ça brûle quand même, Raymond. Eh ben, dis donc, c'est pas vraiment la qualité, vous verrez. Vous avez raison, c'est du cristal. Non. Ben, dis donc, c'est vraiment de la merde, votre cristal. Hein. Moi, je vais vous offrir des verres très solides avec des petits palmiers. Eh bien, vous me faites penser que j'en ai des très solides avec des petits Mickey. Je te l'avais bien dit, hein. T'as vu le nombre de fiches de paye qu'il a, ton nouveau locataire? Eh ben, on peut pas dire qu'il travaille pas, hein. À ce rythme-là, c'est plus un travailleur, hein, c'est un collectionneur. Il bouffe le pain de plusieurs Français, lui. Oh non, mais ce qu'elle est moqueuse, celle-là. Ah, quand elle fait pas les bêtises, elle l'en dit. À 4 ans déjà, on l'avait cherchée toute une journée. Elle s'était cachée dans une cave. Elle était ressortie noire, mais noire, comme... Enfin, très, très sale, vous voyez? Ah oui, j'étais noire comme vous. Oh non, mais beaucoup plus sale encore. Je vais pas aller chercher la pelle à tarte, Simone. Si. N'avez pas goûté ma petite eau de noix? Non, pas encore, non? Ne bougez pas, j'arrive.